moi, je venais passer une journée sympa avec une de mes collègues de travail, qui habite donc à Chamonix. Et puis voilà, elle m'a proposé de venir voir la compète. Et puis ça faisait un moment que j'étais pas revenue à Chamonix pour la voir, donc je suis venue avec plaisir. C'est vraiment super d'assister à ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Puis en plus, bah, Chamonix c'est quand même une belle ville, il fait super beau, il y a les belles montagnes aux alentours, du coup c'est cool, c'est une bonne journée. Bah, Chamonix, c'est un moment très important. C'est vraiment une compétition spéciale pour les athlètes et pour le monde de l'escalade en général. Parce que c'est vrai qu'on est en plein air, au pied de Mont Blanc, mais quand même en ville. Et comme la dimension urbaine du sport devient de plus en plus importante aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à Tokyo, on sera pour la première fois dans un endroit qui s'appellera Urban Cluster. Je pense que Chamonix, c'est vraiment la meilleure expression de tout ça. Et Chamonix, maintenant, on va passer en mode machine, allez, s'il vous plaît. Et on y va, on va l'encourager, parce que s'il y en a une qui peut sortir la voie. Allez, c'est parti, là, pour la section la plus acrobatique. Allez, y a idée. Ça fait plus de 20 ans qu'on vient à Chamonix et qu'on fait des épreuves de Coupe du Monde. C'est toujours un vrai plaisir, et d'autant plus cette année avec beaucoup plus de compétiteurs qu'avant. On a quand même 110 garçons qui étaient là. En vitesse, on avait des chiffres très élevés de gens présents en vitesse. C'était très très intéressant, et cerise sur le gâteau, un temps magnifique. Je trouve que c'est super impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Hier également, j'ai regardé la vitesse, l'explosivité qu'ils ont. C'est arriver à monter à un peu plus de 5 secondes en haut du mur, c'est vraiment impressionnant. Ah bah, c'est de les voir là, dans des voies, dans des niveaux que nous on n'oserait même pas imaginer. On est conscient vraiment de la difficulté, et de les voir jusqu'à la fin tout donner, on vivre avec eux. Et les finales, c'est vraiment des grands moments, quoi. Bon, il est incroyable, François. Super bien, super précis sur ses crochets de talons. Et lui aussi, il s'éclate. Sur la compète de Chamonix, là, moi, ce que je retiens, c'est ces 60 bénévoles là, qui sont là à la buvette, qui sont là-bas pour assurer. Et donc, du coup, c'est vraiment la fête du club. On essaye de conserver, on va dire, notre leadership en fait sur les organisations de Coupe du Monde, parce qu'on estime que bah, c'est la plus belle. Elle peut arriver au sommet. Sometimes I don't hear a word of what you say, 'cause I'm thinking what you would do, how it would be. Bon, la musique, Kim Yaïn, les applaudissements, la place du Mont Blanc, what else? What you would do, how it would be.